Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à Action de Land à Clermont-Ferrand. Alors on va faire un petit tour ensemble, faites pas trop attention à ma voix, je suis un petit peu prise, un petit peu malade, mais ça va. Donc allez c'est parti, n'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, let's go. Alors je vais commencer dans le rayon éclairage avec ces petites lampes là. Ah non, celle-là, voilà, celle-ci, à 3,99€. Je vous ai fait une petite démonstration hier sur ma chaîne By La Rose. Si vous souhaitez voir, si vous souhaitez aller voir la vidéo, je vous la mettrai. Je vous mettrai le lien en commentaire, ok? Franchement, super bien parce que je pensais, enfin, l'une d'entre vous m'avait dit que ça fonctionnait que pour les tiroirs, mais pas du tout. Hein. Moi, je les ai mis dans mon dressing et il y a bien le détecteur de mouvement. Après, vous pouvez le mettre aussi dans le tiroir, ça fonctionne aussi, hein, c'est tout aussi bien. 3,99€. Ce qui est bien, c'est que c'est rechargeable. Voilà, donc moi je l'ai mis au niveau d'un petit dressing ouvert. Au niveau des étagères, ça fait joli. Puis j'ai mis moi des petites décos, enfin, vraiment sympa. 3,99€. Voilà, en parlant de lampes comme ça rechargeables, vous avez des petites veilleuses. Voilà, comme ceci. Avec capteur également, donc ça c'est bien. Par exemple, vous la mettez dans la chambre de votre enfant, ou dans le couloir, ou voilà, où vous voulez. Et lorsqu'il y a du passage, ça s'allume automatiquement. Voilà, 4,79€. Il y a celle-ci, après il y a aussi celle-là, les bandes LED avec capteur. Elles sont rechargeables en plus de ça, hein, celle-ci. Donc franchement, trop bien. 5€, elles mesurent 1 mètre. Voilà, 4,99€. Celle-ci, elle fonctionne avec des piles, donc elles sont bien, hein, ça fonctionne super bien et tout. Mais voilà, c'est avec des piles, donc si vous préférez le système à piles, à vous de voir. Moi, je préfère largement le système avec la recharge, ça dure plus longtemps et puis voilà, ça se recharge. Les piles, même si vous avez des piles rechargeables, je trouve que c'est pas pareil. Après vous avez ben, celle-ci, moi la première, j'ai eu un flop, j'en ai repris une autre, écoutez on va voir. J'ai pris une grande lampe comme ça, rechargeable, de 30 cm à 7,95€. Voilà, elle a fonctionné pendant 2 mois, et après plus rien. Plus rien, plus rien. Donc voilà, j'en ai racheté une autre. Bon pour le moment ça fonctionne, je verrai bien si ça va me faire le même système ou pas. Je suis dans le rayon soins, cheveux, enfin beauté et tout, voilà, tralala. Il y a le plein de ces petites pinces. Voilà, les petites pinces comme ça, ils en ont remis plein. En forme de fleurs, vous avez celle-là, celle-là elle est trop belle. Celle-ci. Regardez, il y a vraiment plein de couleurs. Il y a rose. Voilà, il y a rose, il y a blanc, il y a bleu, il y a noir. Et il y a différentes formes également. Là, regardez les petites pinces à cheveux. Ça c'est quand vous voulez vous coiffer ou vous maquiller par exemple. On a ces petites pinces comme ça, elles sont à 99 centimes, ça c'est nouveau. Hein. En plastique, 99 centimes. Là, et après, il faut regarder, il y a différentes couleurs. Franchement, ils ont mis le plein de bagues, le plein de... Ah, les bijoux là, franchement super. Je sais que vous êtes pas mal à les rechercher. Et que bah, parfois, il n'y a pas forcément les modèles que vous recherchez. Celles-ci, elles sont canon. Je les ai là, ça fait peut-être 3-4 jours. Aux oreilles, franchement, ça ne gratte pas, rien. J'ai acheté aussi celle-là, je les trouve très très jolies. Après, vous avez des petites créoles, elles existent de différents modèles. Donc, celles-ci, elles sont à 2,79€. Regardez, ce matin, il y en a plein, si vous les passez. Et pareil pour les petites bagues, hein, les bagues en acier. J'en porte une d'ailleurs, celle-ci là. Hop. Je les ai toutes achetées. Hein. Vous avez celles-là, elles sont trop trop bien. Franchement, je les ai achetées avant l'été et je les porte quotidiennement. Et ça n'a pas bougé. Bref, il y a tous les modèles là de disponibles. Celle-là, c'est pareil. Celle-là, je la trouve trop belle, celle-ci. Tiens, on a un spray des mélins de cette gamme-là. Là. Avec vitamine B5 et protéines. Silk protéines. 2,49€. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, les amis, je vous l'ai mis en poste. Hein. En ce moment, j'ai lancé un jeu concours sur mon compte Insta. Je le fais sur Insta parce que c'est beaucoup plus simple et apparemment sur YouTube, c'est interdit. Donc, j'ai pas voulu prendre le risque, mais ça fait des années que dès qu'il y a un petit concours, je le fais là-bas. Et là, je vous dis, c'est pas un concours des moindres. Hein. Il y a 3 000€ à gagner en bon d'achat dans l'enseigne Bellona. Donc, c'est une enseigne de mobilier, etc. Donc, si vous voulez participer, les amis, venez, pour les personnes qui me disent que vous n'avez pas Insta, eh bien vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, hein, les amis.
téléchargez-le, participez. Vous pouvez également me suivre là-bas si vous le souhaitez. Après, c'est votre choix. Hein. Si vous voulez pas avoir Insta, je force personne. Alors, regardez, on a ici la gamme Curl, définition. Donc, 1,99€, 200 ml de contenance. Du coup, scrunching gel. C'est pour bien redéfinir les boucles, pour scruncher. Dans la même gamme, on a aussi le shampoing. Je ne sais pas ce que ça donne. Hein. J'avais essayé de voir la note l'autre fois et c'était pas encore noté. Sinon, regardez la belle petite nouveauté que nous retrouvons ici. C'est hop, un petit coffret Glam Time Tab Factory. Alors, franchement, pas mal. Un petit coffret vraiment sympa. 8 pièces. J'aime trop le packaging en tout cas. Il y a du make-up à l'intérieur. Alors ici, on a l'ombre à paupières. Ok, le rouge à lèvres, crayon à lèvres, le gloss, là c'est une brume corporelle, un miroir de poche, ici c'est quoi? Fard illuminateur et une petite crème pour les mains, 7,49€. Et là c'est plutôt côté parapharmacie, il y a des bombes de bain, calendrier de l'Avent avec des bombes de bain. Donc là, il y en a 12. Ouais, pour les 12 derniers jours. 4,59€. Que avec des bombes de bain. Là, vous avez les senteurs. Vanille, coco, bergamote et tout. Tralala. Et il y en a. Il y a 3 de chaque. 3, 3 et 3. 4,59€. Bon, là, ce parfum de linge, franchement, eh ben, écoutez, je vais le réessayer parce que vous m'avez dit dans ma dernière vidéo que non, il sentait bien. En fait, moi, je l'ai pris, c'était l'année dernière. J'avais testé dans mon linge, voilà, pendant le lavage. Et franchement, ça avait pas... Il sent super bon quand vous l'ouvrez comme ça, ça sent trop, trop bon. D'ailleurs, moi, je l'avais utilisé sous forme de spray et c'était trop, trop bien. Mais du coup, dans le linge, je sentais pas, franchement, je ne voyais pas... Et vous avez été pas mal à me dire non, ça sent super bon dans le linge, il faut mettre quelques gouttes et tout. Je vais réessayer. Il a 2,99€ le petit parfum de linge musc blanc. Je vais continuer dans le rayon de Noël, il y a plein de petites nouveautés. À chaque fois, je vais vous dire ça parce que franchement, ça n'arrête pas. Il y a des petits rennes ici, donc avec lumière LED. Hein. Il y a le doré ou l'argenté, et puis ça coûte 5,95€. Voilà ce que ça donne en gros, 35 cm par 23. Je vous ai montré hier, j'avais acheté sur ma vidéo By La Rose. Ah ben elles sont là, elles sont là, mon dieu, c'est une dinguerie, c'est trop bien. Et franchement ça fait trop son effet, ce sont des petites boules de chocolat. Et à l'intérieur il y a des marshmallows, vous le mettez comme ça dans votre mug et hop, vous mettez du lait chaud. Vous allez voir la boule en fait... se fondre et tout, et le marshmallow remonte à la surface, bref, et c'est trop bon, c'est vraiment très très bon. 1,59€ et à 3 boules pour pouvoir faire donc 3 chocolats chauds. On a ici les petits mugs de Noël avec les pralines à l'intérieur à 2,79€. Là il y a de plus en plus hein, de calendrier de l'Avent, chocolat et tout, ça y va hein. Ouais, alors il y a ça aussi en nouveauté, les petits sapins comme ça décoratifs qui s'ouvrent, vous savez, 99 centimes. Regardez les petits papillons, les petits papillons. Ça franchement avec la petite pince on pourrait les utiliser pour faire des rondes serviettes, voilà, enfin, au dessus du rond de serviette, ça peut être vraiment sympa. 1,37€, c'est beau hein, franchement j'aime beaucoup. Il y a ceux-là, vous avez également ceux-là, voilà, 1,37€. Les boules de Noël, il y a pareil, hein, il y a encore de plus en plus de choix. Vous avez celle-ci à 99 centimes. Et la brillance, hein, ça brille vraiment. Vous avez celle-là, vous avez celle-ci à 1,37€. Il y a vraiment pas mal de petites nouveautés. Là, vous avez celle-là, 1,37€ aussi. Celles-là, elles sont en vert. Hein. Il y a également celle-ci. Les petites étoiles de Noël à 1,89€. Regardez les sapins, je vous avais montré l'autre fois, mais je n'avais pas vu qu'il y avait le vert aussi. À 3,99€. Bon, juste en face, on a le rayon animalerie et on a des petits plans en céramique comme ça. À 1,95€. C'est deux couleurs, gris ou vert.
J'espère que vous m'entendez bien, j'essaie de pas trop parler fort, sinon ça me donne envie de tousser. Voilà. Alors il y a des petits coussins ici. Je pensais que c'était des galettes de chaise, mais en fait non, ce sont des coussins en flanelle. Il y a trois coloris, le gris, marron un peu, le vert ou le terracotta à 5 euros. Ils ont mis aussi ces jolis petits plaids rayés. Donc là, ça fait vraiment hiver. Hein. Ils sont beaux. Ils sont à 9,95€. Après, vous avez ceux-là. Les jolis petits plaids en peluche. 7,79€. Hein, donc à beige ou blanc, 1m30 par 1m60. Sinon, vous avez ces beaux plaids. Ils sont canons. Franchement, très très beaux. En beige ou en blanc. C'est les plaids pompons, ils appellent ça. Ils sont à 19,95€. Et bien voilà mes petites femmes d'amour, la vidéo elle arrive à sa fin, j'espère que ce petit tour vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à liker, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous. Gros bisous, bye bye.